Aujourd'hui, on va monter cette carte mère dans un boîtier. Alors, j'ai déjà fait 2-3 vidéos concernant le montage des PC, donc rien d'exceptionnel. Par contre, sur cette configuration, ce qui me plaît énormément, c'est le boîtier. La personne qui l'a choisi voulait quelque chose d'assez spécial. On va regarder un petit peu rapidement la configuration qu'on va mettre à l'intérieur, puisqu'elle reste quand même intéressante. Ça va être une configuration pour le jeu. Pas de très très haut de gamme, mais qui reste largement correct. On est sur un budget quand même de 3000 euros. Donc c'est quand même pas mal, on peut toujours mieux faire, on est d'accord, mais on est déjà plutôt bien je trouve, avec une bonne carte graphique. Et puis vous allez voir le boîtier qui est plutôt sympa. Alors la carte mère, ça reste un classique, Asus Prime. Je suis pas parti sur une version gamer, celle-ci je la préfère en fait, elle est super bien équipée cette carte. On va la déballer, on va la regarder ensemble. Je crois que je l'ai déjà présenté cette carte. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Voilà, cette carte, moi je la trouve extraordinaire. Elle est super bien finie. Hein. Il y a au-dessus. Hein. Là, on est sur un budget à 300 euros quand même. Il y a bien supérieur, mais moi je trouve que pour 300 euros, on en a pour son argent. C'est plutôt bien fini. On a la possibilité d'installer 4 SSD PCI en M2, hein, en PCI Express. Mais là, on est sur la génération 4 jusqu'à 8000 mégabits, ce qui est plutôt pas mal. On a la possibilité, on a deux emplacements 110 mm et deux emplacements 80 mm, ce qui est plutôt sympa. Quatre emplacements pour les mémoires, DDR5 bien entendu, un port PCI Express 16X 5e génération là pour le coup, et puis des petits PCI Express, et ici on a un PCI Express pour une carte graphique secondaire ou une autre carte, une carte fille en 16X mais en génération 4. Alors après les basiques, hein, les petits ports SATA, on a des ports USB, ici USB 3, USB-C, que j'aime bien aussi, voilà, c'est ce petit cette petite finition là, je trouve assez sympa, avec bon les Wi-Fi, Bluetooth. Avec voilà cette finition là qui est plutôt sympa, c'est plutôt complet, ça fait déjà un peu plus sérieux. En plus ça s'éclaire ici il me semble. Voilà, avec des USB, avec des USB en nombre. On a un Ethernet en 2,5 gigabits, un Wi-Fi 6. Donc on est quand même relativement bien équipé. La mémoire basique, on va installer ça. C'est de la DDR5, hein, 5600 par rapport à ce que produire le processeur, puisque le processeur, ce sera un i7. Forcément, il y a mieux, mais on est quand même déjà là sur un budget de 500 euros, ce qui est plutôt pas mal. La génération 14, ils nous la font payer. Voilà, un i7 de dernière génération, avec donc voilà la mémoire qui... donc là, on est sur du 32 Go par barrette, tu auras 64 Go sur le PC. C'est du RGB, même si je suis pas fan pour le RGB pour la mémoire, parce que enfin, pour moi ça fait chauffer la mémoire, mais bon c'est pas grave, ça c'est le choix de la personne. Donc le positionnement des barrettes, en fait il faut systématiquement aller sur le site constructeur, récupérer, alors là je l'ai imprimé, hein, mais normalement je l'imprime pas. Il faut impérativement regarder, aller chercher la position des barrettes de mémoire, comment le constructeur demande à positionner les barrettes de mémoire sur les slots. Donc là, si on ne positionne qu'une barrette, il faut le mettre en A2. Là, nous, ça sera deux barrettes de mémoire, donc A2, B2. Hein, donc on sera décalé, on sera sur le gris. Et puis si on est sur 4 barrettes, on va utiliser tous les slots. Ça, c'est bien évident. Alors, on a une petite finition ici qui est plutôt sympa. Ce petit bouton là ici va permettre quand on a de grosses cartes, croyez-moi, d'aller chercher un truc pareil, c'est quasi impossible. Voilà, ça. Il faut y aller avec un petit tournevis, ça c'est assez compliqué. Là ici, ils ont fait un déport. C'est assez judicieux et ça permet de dégager. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, de dégager. C'est le même système que là, sauf que là on a cette possibilité, il est déporté, de dégager la retenue de la carte graphique. Voilà.
Donc c'est plutôt pas mal, plutôt judicieux. Asus évolue plutôt bien, je trouve. Alors ça, il faut faire attention aussi. On a, bon, ben ça c'est surtout pour les grosses configs. Hein. On a bien entendu pour l'alimentation du processeur 2x8 ports. Donc il faut y faire attention quand on prévoit l'alimentation. C'est à prendre en considération. Après, on a de multiples ports pour les pompes à eau. Pompes à eau, puisqu'en plus, je rebondis sur la pompe à eau. On va installer, bien entendu, un water cooling. Il n'est pas petit. Je fais un peu de place. Voilà, un water cooling, c'est le Corsair RGB. Voilà, c'est un 360 RGB de chez Corsair. L'alimentation, on la confie à Enermax. On est sur du 850 watts. Le disque dur, on va y mettre un VD Black. VD Black avec sa puce SN850. C'est l'un des plus rapides de chez VD. Donc on est à 7300 mégabits, ce qui est plutôt pas mal. De Tera. Exceptionnel. Hein. Le moteur graphique, on le confie à Asus, enfin Nvidia, c'est Asus qui l'a soudé, qui l'a monté. C'est un GPU. C'est le GPU 4070 Ti Super. Bon, la carte, je vais la sortir, elle est quand même assez surprenante. On est en 16 gigas. Ça reste, excusez-moi, mais ça reste quand même assez impressionnant. C'est pas la plus grosse en plus, c'est ça le pire, c'est ce que je me dis, c'est pas la plus grosse. Hein. Donc là, on a le slot d'alimentation. Ils ont réduit et ils fournissent un petit slot avec, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est un sacré morceau. Hein. Les cartes graphiques sont de plus en plus grosses, ce qui est normal puisque les GPU sont de plus en plus puissants. On va voir ici, là, on voit un petit peu le GPU, hein, puis le RAD juste au-dessus. Mais voilà, c'est tout juste impressionnant quand même. Hein. On a du beau matériel. Alors ils fournissent avec un petit pied, si le boîtier n'est pas équipé. Il me semble avoir ça, c'est le câble d'alimentation. Voilà, ils fournissent un petit pied avec. Voilà. Donc pour maintenir dans le boîtier la carte droite, parce que vu le morceau, c'est quand même assez lourd. Voilà, donc Nvidia, hein, c'est Nvidia. Asus surtout, puisque Nvidia ne fait que la puce. Asus, ça reste quand même du haut de gamme. Voilà, on est sur une belle carte quand même. Hein. Voilà, donc on va monter ça. Pas la plus grosse, hein, on est d'accord, hein, puisqu'il y a derrière, il y en a encore deux ou trois. Mais on est quand même sur un budget de 1000 euros, hein, donc c'est pas rien, moi je trouve. Allez, on va assembler tout ça. On va se mettre un peu de musique.
Voilà, la carte est prête à être montée dans le boîtier. C'est ce qu'on va faire. On va monter, on va la mettre dans le boîtier. On va regarder un petit peu le boîtier. Le boîtier est plutôt sympa, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vais faire la démo. Je vais vous montrer ce boîtier qui est plutôt. Là, il est dans le carton, il est dans la boîte, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Pour les connaisseurs, peut-être, c'est un Cubi. Voilà, je ne dirai pas plus. C'est un Cubi. Donc, un assez gros boîtier. Donc, normalement, ça devrait être assez sympathique avec de l'éclairage à l'intérieur. Allez, on va monter tout ça. Alors voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. En fait, c'est ce boîtier là que je voulais vous présenter. Je vous ai présenté le matériel, mais le matériel, vous connaissez. Le boîtier, je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Moi, je le connaissais pas. On m'a demandé de monter le matériel dans ce boîtier là. Voilà. Donc, bon, ça m'intéresse toujours les nouveautés. C'est pas très vieux, je pense pas. J'ai pas regardé sa date de sortie. Il a l'air assez imposant. Donc la boîte déjà est plutôt sympa. On va le déballer, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Bon, plutôt sympa, on dirait presque un aquarium. Hein. Voilà, on a vraiment une version originale du boîtier. Plutôt surprenant. Il est quand même assez gros, hein. Ça va pas dans n'importe quel bureau. De toute façon, un PC gaming, ça se cache pas dans un bureau pour moi. Ça doit se montrer avec tous les éclairages qu'on a aujourd'hui. Enfin, avec tous les effets de lumière. Ça serait dommage de mettre ça dans un meuble. Voilà, donc plutôt sympa. On va le filmer un peu de près. On va retirer la vitre aussi. Là où on va pouvoir positionner le 360, le refroidissement RO. Ici. En façade, on a deux USB avec le bouton power, le bouton reset, USB-C, USB classique et USB-A, avec un jack audio. Derrière, un système de refroidissement, la plaque arrière est aérée, c'est plutôt sympa. Au-dessus, on a effectivement un filtre qui a dû un petit peu se déplacer, c'est un filtre aimanté. Ici à l'arrière classique, donc on va pouvoir loger l'alimentation ici. Alors ici, on a un emplacement, je dirais que c'est une boîte à air. On a un filtre ici, on a la possibilité de faire passer des câbles en dessous. Voilà, donc je pense que certains connaîtront mieux comment l'utilité de ce passage, puisqu'on a l'aspiration de nos trois ventilateurs en dessous. Donc on pousse vers l'intérieur. Ici, on en a deux. En extraction, un ici en extraction, et on aura les trois là-haut qui seront en extraction. Ici, on a un passage de câble plutôt bien fini qui vont aller vers la carte mère, vers la carte vidéo. Derrière, on va aller voir derrière un petit peu ce qui se passe. Ici, on va retirer la plaque. L'emplacement pour passer les câbles, hein, les câbles ici pour la carte mère. Voilà, le boîtier, je le trouve plutôt sympa. On va assembler, on va mettre le matériel à l'intérieur et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air assez bien aéré. Il n'y a pas de support pour la carte graphique, ça c'est un petit peu dommage. Donc il va falloir utiliser le support qui est fourni avec la carte graphique. Quelques câbles que je vais faire passer différemment parce que des câbles là comme on voit ici qui sort, c'est pas top, c'est pas fou, donc on va les intégrer un peu mieux que ça et puis ça devrait aller. Allez, je vais tout assembler et puis je présenterai le boîtier une fois éclairé.
Voilà, le câblage est terminé, tout est branché. C'est assez propre, il y a beaucoup de place dans le boîtier, c'est plutôt sympa. Avec l'alimentation modulaire, on installe vraiment que les câbles nécessaires, c'est plutôt pratique. Surtout que maintenant, tout est raccordé à la carte mère directement, donc on a moins de périphériques relativement bien aérés. Les câbles sont plutôt bien. Enfin, on a de la place pour pouvoir passer les mains. C'est, je dirais, un très bon boîtier. On va le démarrer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais le brancher. Voilà devant, une fois terminé, plutôt sympa. On a les ventilos au-dessus avec enfin, le refroidissement du processeur là-haut. Refroidissement liquide, RO. La carte graphique est en place. On n'a pas pu mettre le support, bien évidemment. Bon, ça a l'air d'être assez stable. Et petite extraction par le bas, par les trois ventilos ici, petite extraction par l'arrière, ici par deux ventilateurs, une petite extraction ici. Ici, une petite extraction également. Donc ça ventile, on n'a pas de souci. Voilà, il est branché. On va appuyer sur Power, c'est mieux. Une petite carte graphique qui s'est illuminée. La petite carte mère également. Le bouton power, tac, ici, voilà. Et on a la machine qui démarre. Donc là, en termes de RGB, voilà, on a le système de refroidissement là-haut qui s'est éclairé. Le ventirad, enfin pas le ventirad, mais le water cool, les mémoires, la petite alimentation ici. Et le reste ne s'est pas éclairé. Alors, on va venir ici, appuyer ici. Ça ne marche pas. Alors, on va utiliser. Ah, si, ça y est, voilà. Donc, en fait, on va utiliser soit le bouton reset qui est câblé sur la commande du système RGB, soit on va utiliser la télécommande qui fournit pour allumer et éteindre le système. Voilà. Donc, là, on va basculer sur. Il y a un mode sur la télécommande qui s'appelle mode 5. C'est la synchronisation avec la carte mère, ni plus ni moins. Donc, si je fais ça, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, on est synchro en termes de couleurs. Parce que de toute façon, les barrettes de mémoire, quoi qu'il arrive, si on n'utilise pas le logiciel de la carte mère pour changer la couleur, on ne pourra pas changer la couleur. Voilà, donc là, on a quand même un éclairage assez sympa. Donc, effectivement, après, avec la télécommande, on peut changer. On peut se mettre en rouge. Voilà. Les couleurs. Alors, on va se mettre en rouge. Il faut être assez près. Ouais. Voilà. Green, vert et bleu. Voilà. Après, on peut changer le mode, ni plus ni moins. On a tout un tas de modes accessibles. Voilà. Il y a des modes qui sont assez sympas. J'aime bien le blanc, moi. J'ai toujours aimé le blanc. Voilà. Donc après, hop. Après c'est voilà, ça reste personnel comme réglage. Donc là, je vais me remettre sur par défaut. Voilà. Je vais finir de l'habiller et puis on fait un dernier point sur le boîtier. Est fermé, j'ai tout remonté, le boîtier est purement et simplement pour moi magnifique, même s'il est imposant et qu'il est très lourd. Bon après le matériel qui embarque aussi, hein. Donc c'est relativement lourd, je l'ai dit, mais il est très lourd en fait. Non, par contre il est magnifique, voilà. Blanc avec toutes ses couleurs. Avec blanc, avec un peu de noir, puisqu'on n'a pas pu tout trouver en blanc. Avec donc ce mélange de blanc et de noir, ben écoutez, ça c'est plutôt magnifique, c'est plutôt sympa. On rappelle un petit peu un aquarium en fait. Faudrait qu'on mette des poissons dedans. Non, voilà, ouais, c'est vraiment super efficace. Beaucoup de place dans le boîtier, ça c'est plutôt sympa. Bon, après, il est quand même très imposant le... Il est quand même relativement imposant, il est très gros le boîtier. Hein. Donc bon, c'est sûr qu'il y a de la place, hein, forcément. Voilà, le budget, je crois qu'on est sur du 180 euros pour le boîtier quand même. C'est pas rien. Voilà, mais on a quand même du beau matériel et quelque chose de pratique, quelque chose de bien fini. Des tôles assez rigides, on n'est pas trop fin.
mais pas trop dans la finesse, ça va, ça reste raisonnable. Voilà, très beau boîtier, bah, je le conseille à ceux qui veulent s'amuser à faire du beau. Là, on est sur du beau quand même. Voilà, donc maintenant je vais installer l'OS. Et puis pour la vidéo, c'est terminé. Voilà, plutôt sympa, plutôt satisfait de ce montage. Plutôt réussi. On peut faire toujours mieux, mais bon, c'est plutôt pas mal, je dirais. Voilà.